Eh bien, salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment augmenter votre espace RAM. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas voir comment augmenter l'espace RAM. Comme là, tu peux le voir, j'ai augmenté mon espace RAM. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et d'appuyer sur toutes pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'oublie pas de liker la vidéo. Donc du coup, nous allons commencer avec la méthode. Donc, pour ce faire, pour augmenter ta mémoire RAM, nous allons venir ici sur les applications. Une fois sur les applications, vous tapez sur la barre de recherche de vos applications. Vous écrivez « Paramètres ». OK ? Paramètres. Une fois que vous allez rentrer sur votre paramètre, ça serait comme ceci. Donc, du coup, là, vous allez juste chercher « Stockage ». OK ? Là, nous allons cliquer sur « Stockage ». Une fois cliqué sur « Stockage », ça serait comme ceci. Quand tu peux voir, ma mémoire RAM est de 2 gigas. Donc, du coup, je vais venir ici sur « Augmenter l'espace RAM ». Donc, je vais cliquer ici sur « Augmenter l'espace RAM ». Une fois cliqué sur « Augmenter l'espace RAM », nous allons venir cliquer ici sur « Activer la fusion ». Une fois sur « Activer la fusion », nous allons veiller définir l'espace de stockage à convertir. L'activation de cette fonction prend effet après le redémarrage du téléphone. Donc, du coup, nous prenons 2 gigas et activer. OK ? Une fois qu'ils auront activé ces 2 gigas, ça sera représenté comme ceci. Nous allons attendre juste quelques secondes pour que le téléphone se redémarre. Et là, le téléphone vient de se redémarrer. Donc, du coup, nous allons revenir sur paramètres. OK. Une fois sur paramètres, nous allons descendre toujours stockage. Là, comme vous pouvez le voir, la mémoire vient d'augmenter. Mémoire totale 4 plus 4, disponible 2 gigas. Donc, comme vous pouvez le voir, on vient d'augmenter la mémoire RAM de plus de 2 gigas. Donc, du coup, si tu as aimé l'astuce, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci.